Bonsoir à tous, nous sommes bien le 24 mars 2016, il est 18h tout pile, et comme chaque jeudi soir, c'est 01 Live Hebdo, c'est parti pour 30 minutes pour évoquer ensemble toute l'actualité high-tech de la semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver, bienvenue Jérôme, good evening. Good evening François, comme vous avez c'est de long, la chance. Parlons anglais ce soir, allons-y, allez. Fou. Ça va s'arrêter là, je vous rassure. Vous croyez ? Allez. Oui, je disais comme vous avez de la chance quand même. Hein, oui, c'est vrai. Chaque jeudi soir, de pouvoir comme ça vous picouser à 01 Live Hebdo. Bon, ce soir, nous allons parler de réalité virtuelle. Pourquoi tu fais réalité virtuelle ? C'était pour mettre un peu plus de... D'accord. Que ce soit encore plus oui, parce réel. Parce que ça fait un peu espagnol alors que ça se passe à Laval hein, quand même. Donc c'est pas le même endroit. Ouais, voilà. On va c'est donc découvrir Laval virtuelle dans quelques instants avec Amélie Charny qui y était hier. Ouais, Laval virtuelle, grand rendez-vous annuel consacré à la réalité virtuelle. Réalité virtuelle encore avec Delphine Sabatier qui oui. viendra nous parler d'une expérience qu'elle a menée. Oui. Hein, assez étonnante. Elle a fait, j'ai rien compris, elle a fait de la réalité virtuelle. Elle a fait un truc comme non, ça. Non. Elle a non, fait non, un non. truc de fou, des montagnes russes avec voilà. un des masque de des réalité montagnes virtuelle. Russes avec un masque de réalité augmentée. Alors qu'est-ce que ça peut donner? On verra ça tout à l'heure. Et puis on ira du côté du labo avec des choses beaucoup plus concrètes ah oui. qui donneront peut-être un peu moins le tournis, mais qui ont quand même leur intérêt. Tu sais que bientôt, la TNT va évoluer en France. Oui. Hein, il n'y aura plus que la TNT HD. Ce qui veut dire que les vieilles télés ne vont plus forcément marcher. On fera le point avec David Noguera qui va nous dire comment choisir son décodeur. Peut-être aussi changer sa télé, on verra ça. Et puis Raphaël Grabli viendra nous parler d'un nouveau petit smartphone qui est arrivé oui. en test au labo. C'est un smartphone Huawei qui est plutôt sympa, comme souvent d'ailleurs, hein, chez ce constructeur. Voilà, alors que bientôt va être annoncé le fameux P9. Que vous découvrirez sur 01net TV, ça sera dans quelques jours. Voilà, vous savez tout, soyez les bienvenus, on va passer une demi-heure ensemble comme chaque jeudi, c'est 01 Live Hebdo. Et comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez interagir, poser vos questions sur Twitter, hashtag 01live, questions, commentaires, nous sommes à l'écoute. Voilà, on est en direct et on vous suit bien sûr, et merci hein, d'ailleurs à tous ceux qui sont fidèles et qui nous envoient des petits messages chaque semaine. Merci aussi d'avoir été très nombreux à nous suivre, c'était lundi soir pour la keynote Apple, hein, voilà, vous avez été beaucoup, donc on tenait à vous remercier. Tiens d'ailleurs, si vous étiez avec nous lundi soir, vous l'avez peut-être remarqué, on vous offrait des tablettes tactiles avec Pico Projecteur. Eh bien ça va continuer, il y en a encore à gagner. Encore ? Ouais, ça ne s'arrête jamais. Et on va vous expliquer comment vous allez pouvoir remporter ces tablettes, parce qu'il y en a plusieurs dans quelques minutes. Bon, donc il faut rester connecté. Voilà, elle est là, regardez, elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Avant toute chose, la question hebdomadaire, 01net Orange, c'est le sondage, vous le savez. On vous invite à donner votre avis sur un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la TNT HD, on en parlait, on va en reparler. Êtes-vous prêt pour la TNT HD? Est-ce que vous avez le téléviseur compatible ou à défaut l'adaptateur compatible MPEG-4? Vous allez sur www.01nettv.com et puis vous répondez à ce petit sondage, on fera le point tout à l'heure. Bon, bien sûr, si vous avez la télé par ADSL ou par satellite, c'est une question qui vous passe un peu. Mais bon. Il faut savoir que beaucoup de gens regardent encore la télé par la TNT, hein, donc allez-y, n'hésitez pas, on fera un point sur ce sondage d'ici quelques minutes. Amélie Charny est avec nous, bonjour Amélie. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Qui revient de Laval virtuelle. Tout à fait. Et Amélie nous disait tout à l'heure que Laval, c'est très joli comme ville. Mais on n'y est jamais allé, pas. Jérôme. Non. Tu connais toi Laval? Je ne crois pas, non. Ben voilà, il va falloir que l'année prochaine, on aille à Laval virtuelle. Ouais. Bon, alors, vous n'allez pas nous faire visiter Laval, hein, quoi qu'on pourrait peut-être en virtuel. Hein, on pourrait. Amélie. Et puis c'est devenu un écosystème, toute la région travaille autour de la réalité virtuelle, il y a plein de formations, plein d'entreprises. Ouais, c'est devenu vraiment le pôle, l'un des pôles français consacré à le ça. Pôle français, hein. Le pôle la français. Réalité virtuelle, ouais, ouais. Intéressant. Donc chaque année, ce salon, Laval virtuelle, qui est assez professionnel plutôt. Voilà, jusqu'à maintenant, c'était plutôt orienté professionnel. Et là, avec l'arrivée des casques de réalité virtuelle, hein, qu'on connaît tous, Oculus, Vive, c'est en train de créer de nouveaux usages pour le grand public, enfin. Alors, Amélie, qu'est-ce que tu as vu qui t'a particulièrement intéressé? Alors, il y a trois parties, je crois. On va commencer par le sport. Oui. Parce que... C'est un domaine qu'on n'attendait pas forcément en premier. Et il semblerait que le sport et la réalité virtuelle, ça marche plutôt pas mal. Oui, oui, oui. Et alors, donc le fitness, donc on a une start-up qui vient de Strasbourg qui s'appelle Holodia, qui a tout simplement imaginé... est-ce que vous allez dans les salles de sport, François?
François, il va très souvent. Amélie, regardez. Là, t'es pas à l'image, François, mais... Non, mais c'est pas grave. Justement, vaut mieux pas. Non, mais voilà. Oui. Bon. Ouais. Oui, enfin, on Est-ce va, que vous on... avez déjà fait du vélo en salle de sport? Est-ce que vous êtes déjà ennuyé à faire du vélo ou du rameur en salle de sport? Parce que c'est pour les gens qui s'ennuient en salle de sport. C'est vrai qu'on s'embête voilà, donc là, un peu. On non, c'est vrai quand rameur, on fait de la cardio. Formidable. Donc en fait, avec... Ah oui, superbe. Bravo. Mais on voit a quand tous même, l'air ridicule. On voit quand même la sportive. Mais non, pourquoi? C'était impressionnant. Non, superbe. Alors, grâce à un casque de réalité virtuelle. Donc en fait, il suffit d'utiliser une machine qu'on utilise normalement, donc ça marche avec le vélo elliptique et le rameur pour l'instant. On utilise soit un casque Oculus, soit Vive, et on choisit son monde virtuel ensuite. Et ce qui est formidable, d'accord, c'est que on n'a plus l'impression de faire du sport, mais de jouer à un jeu, parce que plus on rame vite, plus le bateau avance réellement. Mm-hmm. On peut aussi jouer à plusieurs. Et il prépare une petite appli pour que on puisse du coup retrouver son monde virtuel. Performances, quelle que soit la salle de sport où on se rend. Et donc, ça rend les choses extrêmement ludiques et ça fait passer le temps vraiment plus vite et ça fonctionne très bien. On peut pas simplement regarder des films, non, ou des séries? Parce que bon, c'est sympa d'être sur c'est un... passif. Alors que là... Non, mais là, c'est interactif, là, tu ça vois. Vous incite oui, à... Oui, les petits oiseaux à droite, je sais oui, pas, moi. Et même encore plus, ça 40 minutes à regarder les petits oiseaux... Non, mais ça peut être, ouais, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, des jolies filles, par exemple. C'est ça qu'on voit, là, un ciel bleu, comme ça, pendant... non, ça, c'est l'interface. tu fais expo ou quoi? Et alors, c'est vraiment... là, tout de suite, c'est commercialisé depuis la semaine dernière, et le Club Med Gym à Paris a déjà installé ses premiers dispositifs à l'essai, pour l'instant. D'accord. Mais il y a une forte demande des salles de sport, donc ça s'appelle HoloFit. Mais en plus c'est sympa parce qu'il y a des c'est un jeu quoi, j'ai l'impression qu'il faut passer dans des on trucs, peut choisir etc. ce qu'on veut, soit on fait juste de la balade dans un monde sympa, dans un paysage sympa, soit là on fait un jeu et plus on va aller vite, plus ouais. On peut aussi se soulever dans les airs, on peut avancer plus vite. Non, mais c'est sympa. Mais c'est super sympa, franchement. Ouais, c'est marrant, je vois déjà François. Ah non, mais écoute, moi j'ai vraiment très envie. Et puis donc ça arrive avec le Club Med Gym qui va voilà. Il devrait mixer ça avec des jeux vidéo, tu sais, genre Mario Kart. Ensuite, vous inscrire dans une salle de sport, François, et vous précipiter pour faire du rameur. Je suis déjà inscrit dans une salle de sport, voilà. Amélie. Comme quoi, vous ne l'avez pas remarqué. Et ça, c'est embêtant. Non, le seul truc que je me dis, c'est que... Tu vas pas assez souvent. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Toi, tu verras. On va régler nos comptes tout à l'heure. voilà, tout à l'heure. Mais non, c'est une très bonne idée. C'est très bien. Mais c'est très sympa. Juste un truc, c'est que je me dis que le casque, quand même, on doit pas un peu transpirer dans ce casque, oui, au bout d'un moment. Alors, quand on fait du sport. J'espère qu'ils ont là, ça, ils m'ont pas dit, mais j'espère qu'ils ont prévu de nettoyer. Ouais, parce que c'est quand même le casque entre chaque. Mais ça, c'est comme le vélo. Il y a désolé des dispositifs pour d'aborder aussi, ce problème d'hygiène, mais malgré tout, c'est le premier truc qui m'y a l'esprit. Non, mais il faut attaquer les vrais problèmes dans Zéro à la. Et voilà. C'est vrai. Bon, ça, le sport, c'est fait. Après le divertissement. Non, alors c'était pas fini tout à fait, pardon. Parce qu'il y a tout un champ qui s'ouvre pour la rééducation. Donc on peut imaginer dans quelques années que les kinésithérapeutes, au lieu de vous faire monter à des espaliers et vous faire faire des abdos, ça aussi c'est un peu, ils vous mettront un casque de réalité virtuelle et vous n'aurez plus l'impression de faire de la rééducation dans un domaine médical un peu austère. Vous ferez un jeu, ça existe déjà la rééducation avec des petits jeux vidéo 2D, mais là ça sera vraiment immersif et ça sera beaucoup plus efficace et plus ludique aussi. Je pense. Pourquoi pas, en effet. Bon. Donc ça, c'était pour le sport. Voilà. Après, le divertissement. On va en parler tout à l'heure aussi avec Delphine, qui va nous raconter une expérience qu'elle a vécue cette semaine. Mais justement, c'est peut-être un autre marché aussi qui est très prometteur, le divertissement. Ouais. Et alors, c'est là où il y a le plus d'applications, en fait. Donc, moi, mon vrai coup de cœur du salon, c'est un dispositif où ils ne se sont pas, par contre, pris trop la tête pour trouver le nom, parce que ça s'appelle Real Virtuality. Ouais, en effet, ça dit bien ce que ça veut dire en même temps. Donc, c'est une start-up suisse qui s'appelle Artanim. Voilà, on voit les images. Donc, ça, c'est génial parce que ça permet de jouer à plusieurs en même temps et d'interagir avec de vrais objets, ce qui est pour le moment impossible avec les casques de réalité virtuelle qui existe. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est toujours plein de bidons. Alors, par contre, il faut un minimum d'équipement. Voilà, non, donc ça, c'est moi qui suis en train de... Il faut un quart d'heure pour se préparer. Oh là là, elle met son parachute. Alors, bah, vous allez mettre aussi ce truc-là. Évidemment. Attendez, c'est pas terminé. On va rajouter 4 antennes. Ne bougez pas, ça va bien se passer, Amélie.
Alors évidemment, c'est pas pour les particuliers parce que ça nécessite un minimum d'équipement comme vous l'avez vu. Donc c'est, ouais. Ça s'inspire de la motion capture qu'on voit dans les films hollywoodiens. Donc il faut revêtir un petit sac à dos parce qu'il y a un ordinateur et une batterie dedans. Bon, il est léger, oui je sais, ça paraît encombrant, ah, oui. Mais on le sent pas, on l'oublie très vite. D'accord. Alors on a 4 à 5 capteurs sur chaque main et sur chaque pied. On en a aussi dans le casque. Là, en l'occurrence, c'est un casque Oculus, mais il est compatible avec d'autres casques. Et ce qui est formidable, voilà, là, on serre la main de la personne qui est avec vous et on voit la main, parce qu'on peut être un homme ou une femme, on choisit, et on voit votre main virtuelle, serre la main virtuelle de la personne. Là, vous étiez quoi, là, comme personnage ? Moi, j'étais une femme normale, dans un vaisseau même spatial. Même pas un super héros. Non, même pas, même pas. Enfin, une femme normale pour un vaisseau spatial. C'est ça, c'est la deuxième partie de la phrase qui est un peu particulière. Elle est au boulot, tranquille, dans son vaisseau spatial. Ce qui est génial, et là, on le voit, c'est qu'il y a plein de petits objets qui sont recouverts de capteurs aussi, donc traqués eux aussi, qui interagissent dans le monde virtuel. Donc là, c'est une torche. Et cette torche qui ne sert à rien dans le monde réel, eh ben, elle éclaire votre monde virtuel. Et ça, c'est assez magique. Et même, ils vont commencer à jouer sur les textures, les formes d'objets, alors que si on prend le casque Vive, par exemple, qui peut aussi servir à interagir avec des accessoires virtuels, ces accessoires virtuels, en fait, ils sont basés sur vos manettes. Donc, au niveau de la sensation, vous aurez toujours vos manettes dans les bras. Là, on peut imaginer n'importe quel objet. Oui, et alors là, c'est génial. Mais du coup, avec les manettes, là, c'est la démo Indiana Jones. Alors là, elle était terrorisée, la fille qui était avec moi. Il a fallu que je lui prenne la main. Oh, c'est pas vrai. Amélie, qui n'a peur de rien, bien oui, sûr. Amélie, là, qui là, j'ai la torche. Regarde, là, on j'ai va sauter de la fenêtre. Regardez ce que j'ai fait. Oui, sur la petite passerelle, là. Ouf. Quand même. Donc c'était sportif et j'ai vraiment eu peur. Donc là, mais il y avait des ponts suspendus. En fait, nous avons Lara Croft là, juste à côté. Non, mais c'est vrai, c'est ça, exactement. Là, ça fait hyper peur aussi. Il fallait sauter entre les dalles. Et on a en plus, graphiquement, c'est super. Hein, ouais, même, hein. Ce qui est drôle, c'est que toutes les 5 minutes, on entend boum. Et en fait, on se retourne et on voit quelqu'un qui est tombé par terre parce qu'il il a perdu l'équilibre. Non, c'est pas parce que c'est mal fait, c'est qu'il y a un escalier en colimaçon dans le jeu à un moment donné qui est hyper étroit. Et le principal réflexe des gens, c'est de se rattraper au mur qui n'existe pas. Voilà. Et donc il tombe. Ah ouais. C'est génial. Non, mais c'est dingue. Ah là là, quelle horreur. Mais il va y avoir des morts. C'est vrai, comme le cerveau arrive à être trompé, leurré. Ouais, c'est fou. Autre expérience ? Oui, alors ça pourra même s'installer dans les musées, pourquoi pas, pour visiter une tombe égyptienne au Louvre, ou je sais pas, se prendre pour Louis XIV au château de Versailles. On peut imaginer plein de trucs très sympas. Il y a Yannick qui nous dit génial, on pourra désormais draguer comme dans les Sims. peut-être que sera ça. Hein. Bon, quoi d'autre ? Alors, il faut... Non, j'ai encore d'autres petites, d'autres petits trésors dans mon sac. Super. Faut pas oublier les bonnes viennes lunettes augmentées de 3D qu'on a actuellement dans les cinémas. Il y a quand même quelques évolutions. Alors, là, c'est une salle exceptionnelle qu'on a pu visiter en marge de Laval avec Jean-David, qui s'appelle Aeon iDome. Donc, en fait, c'est une salle où il y a 24 sièges et qui sont équipés de manettes. Et on peut voir des jeux vidéo en 3D et interagir à 24 en même temps. Donc là, par exemple, on a sauvé des dauphins ou on a tué des requins, on a arraché... Pas l'inverse. Les, hein. Oui. Pourquoi pas ? Donc ça, c'est très sympa. C'est un dispositif unique au monde. Mais il y a eu aussi des efforts de fait sur la petitesse des systèmes. Donc ce qui fait que maintenant, on a beaucoup d'unités mobiles de lunettes de réalité augmentée. Donc on va pouvoir avoir des petites installations dans des supermarchés, dans des partout où on veut, des choses éphémères où on va pouvoir jouer à plusieurs avec des lunettes de réalité augmentée. Wow. Et donc ça sera les nouvelles bornes d'arcade comme on en avait connu pour les jeux vidéo tout simples dans les années 80. Mais en version réalité. Mais en version futuriste. Voilà. Ah, génial. Pas mal. Super. Et ça va être commercialisé, c'est... Ça, c'est déjà... ça, c'est le modèle qui est en exposition, mais il est déjà commandé. Et je crois qu'il y a déjà 6 commandes dans le monde. Bon. Très bien. Et en plus petit, donc il y a ces modèles-là. Mais c'est dingue parce que ça va peut-être déboucher sur des nouvelles expériences dans le monde du cinéma. Enfin, on peut tout imaginer, mais là, pourquoi pas imaginer que demain les salles de cinéma seront équipées de manettes et que on pourra interagir dans le film. Tous ensemble. Allez, voilà. C'est toi maintenant qui conduis le vaisseau spatial. S'il y a 200 spectateurs qui se mettent à tirer dans les films, tirer sur les personnages. Ouais, mais peut-être ça va être compliqué. L'histoire va être compliquée. Risque d'être un petit peu compliqué. Non, moi je vais à droite. Non. On va à gauche. Comment on fait ? On va voter pour savoir ce qu'on veut faire. Oui, voilà, il faudra arrêter le film et tout. Ouais. Ça durera toute la nuit. Enfin bref.
Bon, en tout cas, c'est très beau. En plus, avec les belles images de Jean-David Duhart, c'est impeccable. Ouais. Il est en train de concocter plein de petits sujets où on en apprendra davantage sur chacun des projets. Là, super, donc vidéo à retrouver sur 01net TV. Il y en a déjà une qui a été postée cet après-midi. Oui. Et puis, le reste arrive dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Amélie. Donc, et puis, sachez que Pépé Garcia est aussi à Laval Virtual. Alors lui, il est resté non pas 24 heures, mais 2 jours, hein, Pépé. Et il va nous faire un power spécial, j'imagine, et plein de petites surprises. Merci beaucoup, Amélie. On se retrouve très vite. À bientôt. Et Amélie Charnet, donc journaliste à 01net.com. Jérôme, elle vient d'arriver dans ce studio. On la retrouve dans un instant. Elle, c'est Delphine Sabatier pour le Zoom Actu. On va rester dans la réalité virtuelle avec elle. Mais juste avant... Juste avant, peut-être si on faisait un petit tour du côté de notre sondage. Soyons fifous un peu. Êtes-vous prêt pour la TNT HD? C'est la question 01 Live Orange du jour. Et voici la première tendance. Eh bien oui, vous êtes prêts, bien sûr, puisque vous qui nous regardez, vous êtes évidemment au fait de tout cela. 90% de oui, il n'y a que 7% de non. Et 3% qui ne savent pas, parce que c'est vrai que mais pour certains, on le saura le jour où, durant la nuit bleue, en fait, parce que c'est la comme nuit ça bleue. On appelle ça comme ça, c'est-à-dire que quand TDF a décidé d'arrêter l'ancienne norme MPEG-2, ça va être, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, continuez à voter, www.01nettv.com. Voilà, Mister TNT, c'est David Noguera, il sera là dans quelques instants. 18h16, tout de suite, c'est le Zoom Actu. Delphine Sabatier nous a rejoint, directrice des rédactions de 01net.com. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonsoir Delphine. Bonsoir tout le monde. Et on va continuer à parler de réalité virtuelle. J'adore la petite cravate là. C'est très sympa. Mmh. Ah, première fois dans le 01 Live 2, j'ai l'impression. Ouais. Eh ouais. François est d'humeur complimentesque ce soir. Non, c'est sympa. Merci. Ça va, on peut y aller? Ah ben écoute, voilà, non mais... on peut parler montagne russe maintenant. Est-ce qu'on peut parler des jolies choses ou pas? Oui, non, oui, oui, ben voilà, bien sûr. La parenthèse est refermée, il ne faut pas en faire des tonnes. On va parler du week-end de Delphine. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, Delphine? Alors, on parlait de réalité virtuelle tout à l'heure avec Amélie, on était quand même dans des salles de cinéma, etc. Vous, vous êtes allé au Grand Air pour faire un truc très bizarroïde sur une montagne russe, mais avec un casque de réalité virtuelle, c'est ça? Oui, j'ai pas fait du sport en fauteuil, moi. Je suis sortie, je suis allée sur des grands 8. Enfin, des montagnes russes, parce que les grands 8... Vous n'avez pas peur de ce genre de Quelle différence? Le vrai grand 8, si j'ai un petit peu peur. Ah oui. Le vrai grand 8, c'est là où il y a les loopings. Alors justement. D'accord. Donc, là, c'est très différent. Ah, c'est quoi l'idée? C'est très différent de ce que vous avez vu à Laval Virtual. Là, on est vraiment sur un petit train, avec des rails, un circuit. Il y a éventuellement des loopings ou pas. Donc, on est dans une vraie attraction foraine. On est sur des montagnes russes bien réelles. Dans ce wagon, il y a des gens qui se baladent tout à fait normalement, comme d'habitude. Et puis, il y en a d'autres qui décident, qui font le choix de faire le voyage avec un casque de Gear VR, donc de Samsung, sur le nez. Alors, ça change quoi? D'abord, ça change quoi? À l'entrée, déjà, ça change que vous payez 2 euros supplémentaires. D'accord. Ils sont forts. Okay. Ils sont très forts. Et oui, bien sûr. Voilà. Logique. Une fois que vous enfilez ce casque, eh bien, vous vous retrouvez dans un univers totalement différent. C'est-à-dire que vous ne voyez plus où vous êtes en vrai. Vous voyez une animation en 3D. Wow. Et dès que ça démarre, on part comme ça. Alors, on est lancé à grande vitesse sur les rails. Et on se retrouve alors là dans des endroits totalement improbables avec frisson garanti, hein, puisque on escalade. Alors c'est synchronisé. Synchronisé avec les mouvements, avec les montées, les descentes. Train, mais il y a un moment où on ne sent plus rien. Ah oui, d'accord. On escalade. C'est le moment où on vomit. En des fait, on montagnes sent plus rien. Que même n'importe quel train de folie n'escaladerait pas. Ah ouais, bien sûr. Voilà, on passe des ponts qui s'écroulent en même temps, on arrive sur le dos d'un dragon. Alors moi j'ai vraiment volé. C'est-à-dire que pourtant, on est assis quand même dans un train, une nacelle, on ne la sent plus. On a vraiment l'impression d'être comme ça dans l'air. Mais c'est le cerveau qui interprète en fait les images qu'on voit, c'est ça? C'est-à-dire qu'on croit ce que notre cerveau, nos yeux nous montrent. On y croit vraiment, donc on a vraiment cette sensation de voler. C'est très agréable pour le coup. Alors là, ça fait pas peur, sauf quand de temps en temps, il bat un peu de l'aile et qu'on tombe. Bon, là, d'un seul coup, on se dit, la seule chose que les dragons, puisse faire, c'est pas fiable. C'est fermer les yeux finalement. C'est la seule issue. C'est ça, c'est ça. Faut se laisser aller. Alors ça dure 1 minute 40.
Mais il y a vraiment des sensations qui sont, je dirais, presque exagérées. Bah, typiquement, là, dans le train que j'ai fait, il n'y a pas de looping en vrai. C'est-à-dire ceux qui étaient derrière moi n'ont pas fait de looping. Moi, j'ai fait un looping avec le casque. D'accord. J'ai vraiment cru. Donc, c'est des sensations qui sont vraiment exacerbées et en même temps, beaucoup de plaisir parce qu'on a l'impression d'être dehors, dans des paysages extraordinaires. Oui, parce qu'en plus, on sent l'air. C'est vraiment génial. Alors, vous pensez Et il n'y a aucun effet rajouté, c'est-à-dire que quand on passe dehors, dedans, voilà, y a, parfois ils rajoutent un petit peu de son pour qu'on ait cette sensation justement du vent quand on vole. Et c'est où ça au fait? On l'a dit ou pas? Alors c'est à Europa Park. Europa Park, c'est un parc extraordinaire pour tous ceux qui adorent les grandes sensations. On a vraiment des grands huit qui se croisent partout dans le c'est parc. C'est dans l'Est, hein? C'est en Allemagne, c'est à Roust, mais c'est pas très loin de Roust. Je le dis bien. Tu vas la prendre, ta rousse. C'est pas très loin de Strasbourg. C'est entre Strasbourg et Fribourg. Vous traversez le Rhin et vous êtes là-bas. Donc, c'est pas un grand trajet. D'accord. Sensation vraiment garantie. Hein. On n'est pas chez Euro Disney. On est plutôt... voilà. C'est enfin, plus vous intime. Voyez, c'est pas, non, c'est assez grand. En fait, il y a mais des quartiers européens. C'est plus européens. Comme parc Astérix, non ça, si on pouvait le comparer. Au niveau des manèges, oui. Il y a Caribou qui nous dit que c'est le meilleur parc d'attractions d'Europe. C'est alors, tout. Il a été élu meilleur parc d'attractions au monde en 2015, carrément. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est une valeur sûre. Et donc depuis cette année, il y a un deuxième manège, un deuxième train qui est équipé de casques de réalité virtuelle et avec une autre expérience. Ce qui est, l'intérêt de ce casque, c'est pas juste que ça nous apporte des sensations, c'est aussi pour les parcs finalement. Voilà, le train que j'ai fait, il a 30 ans, ça fait 30 ans qu'il tourne, qu'il fait le même parcours. Oui. Donc, on peut imaginer que les gens se lassaient au bout d'un moment. Exactement, donc là d'un seul coup je fais la même attraction, mais elle est totalement différente, elle est beaucoup plus excitante. On peut imaginer même que l'année prochaine ils inventent une autre histoire et j'aurai l'impression d'avoir fait un autre manège. Ah oui. Et pour le parc, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Imaginez reconstruire des rails, un parcours, ça prend de la place, ça prend du temps. Voilà, je pense que c'est une vraie aubaine aussi pour les parcs d'attractions. Donc ça ne veut pas dire que c'est la mort des parcs d'attractions classiques finalement. Non, pas du tout, bien au contraire. Et d'ailleurs, à la sortie, j'ai pu faire une petite interview du concepteur de l'application qui dit surtout, ne prenez pas cette application chez vous dans votre canapé, vous allez tomber malade. Il faut absolument revivre que le corps soit en adéquation avec... Il faut être dans un train à grande vitesse, avec des mouvements et tout ça, c'est très important. Donc ça tue pas. Ou alors on envoie ça à notre pire ennemi. La vraie Tiens, regarde, montagne. Tu vas voir. Ah oui, tu vas voir, tu vas t'amuser. Regarde ça, j'ai été amusé. Voilà, et ça a pris 2 ans pour lancer cette application parce que le train existait déjà, donc il n'y avait pas de modélisation 3D. Mais aujourd'hui, ils sont capables de faire ça en 6 mois. Ils l'ont distribué déjà dans plein de pays. Enfin, aux États-Unis, il y en a 11 parcs d'attractions qui ont adopté ce concept. Alors, le concept, c'est rigolo parce que ça s'appelle des roller coasters, les montagnes officiel. Russes. Et donc, ils appellent ça la costiality. Je l'ai noté parce que c'est super dur à dire. La costiality. Et ça prend combien de temps justement pour développer tout un univers comme ça Alors aujourd'hui, différent de ce qu'est vraiment l'attraction. Ils sont capables de développer l'application en 6 mois. Donc vraiment de s'adapter. De créer un nouvel univers en fait. Créer un nouvel univers, mais c'est très précis. Il faut vraiment qu'il s'adapte au parcours de ce train et à l'endroit aussi où l'utilisateur y sera. Donc quand vous allez dans ce parc, vous verrez que vous avez aussi des petites pastilles de couleurs sur le casque en fonction de votre place dans le train. Vous n'avez pas forcément la même expérience. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ça demande du développement assez précis. Ça prend aujourd'hui 6 mois. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Delphine. On ne te félicite pas sur Twitter concernant la rousse. C'était tentant. Mohamed dit, oh non. Il y a quand même une espèce de, comment dirais-je, de retombée, de souffler, si tu veux, après cette blague. C'est pas terrible. Enfin bon, après, on n'a rien entendu. D'autre, ça arrive à tout le monde. Oui, j'en sais quelque chose. Je ne voulais pas le dire. Attention, Delphine. Allez. Passons à autre chose. Be careful. Allez, on va maintenant aller du côté du labo, bien sûr, comme chaque jeudi soir. Le labo dans un instant pour tout savoir, notamment sur la TNTHD. Mais avant, François, tu as encore des cadeaux à nous offrir. Oui, bien sûr. Écoute, j'ai quelques petites tablettes. Des tablettes tactiles, les amis. Ce sont des tablettes tactiles avec une particularité. C'est pour ça qu'elles font partie de nos coups de cœur au labo 01net. Elles ont un picoprojecteur intégré, ce qui fait que vous allez pouvoir donc projeter
Eh bien, tout ce que vous voyez habituellement sur l'écran de la tablette. Ça peut être par exemple un film, une série, un jeu ou alors une page web. Ou YouTube, par exemple, vous pouvez voir 01net TV et ce 01live hebdo directement. Tiens, on voit Amélie, c'est rigolo. Et donc cette tablette, c'est Lenovo qui fait ça. C'est la YogaTab 3 Pro. Et c'est un joli cadeau. Il y en a plusieurs à gagner. Vous allez sur le site de 01net.com. Tout est expliqué. 01net.com. Il y a un concours, vous répondez simplement à une petite question qui est toute simple, vous laissez vos coordonnées et tirage au sort d'ici quelques jours. Bonne chance donc pour cette tablette Lenovo. Très bien, ça c'est fait. Revenons donc à alors ce gros événement qui va avoir lieu le 5 avril. Ah oui, c'est un gros événement. Un énorme événement. D'un coup vous serez devant votre télé et puis paf. Ou bien, pas ça du tout. Plus. Ou bien, voilà, ou bien il va rien se passer. Il va oui. Peut-être rien se passer du tout. Parce que à quand mon même... avis, il va falloir quand même rescanner les chaînes, je pense. Parce que, oui. Tu vois, il va falloir, à partir du 6, appuyer sur le bouton recherche des canaux pour retrouver si les... C'est juste ça, ça sera le truc le plus simple. Ouais, mais attends, alors, David. On dit ça, David. Bonsoir, David. Mais déjà, c'est un truc qui n'est pas évident pour tout le monde de rescanner les chaînes. Tu vois, pour ton grand-père, ta grand-mère, aller dans les menus... C'est exactement les propos que j'ai eus, parce que effectivement pour ce petit sujet, ce gros sujet qui concerne tout le monde sur le 5 avril, on coupe tout et puis on change les fréquences de la TNT et tout passe en haute définition. Donc ça va être bien puisque quand même on commençait à tirer la langue sur certaines tailles d'écran avec cette qualité TNT qui était franchement pas adaptée aux dalles. Et effectivement en magasin les gens se posent quand même, alors, à partir d'un certain âge surtout, des questions de est-ce que je vais pouvoir y passer ou pas. Alors la campagne a quand même été plutôt bien gérée puisque depuis un certain temps maintenant on voit ce message à la radio, de diffusion à la télé, qui dit mettez-vous sur la chaîne 7 ou 57, si vous avez le logo HD, c'est que vous êtes prêt, pas besoin de changer de boîtier. Mais alors quand c'est plus le cas et qu'il faut changer de boîtier, eh ben c'est là que ça se corse entre guillemets, puisque quand même en magasin, quand on visite les différentes enseignes, l'offre est quand même super vaste. Enfin, y a quand même des produits, alors bon, c'est pas non plus, il n'y a pas 10-15 références, mais on peut quand même avoir son nouveau tuner TNT HD à 25€. Et finalement, on se rend compte que l'investissement est tout à fait modeste. Donc voilà, et ça prend en charge pour répondre à une petite dame qui me posait la question, qui ne voulait pas changer son téléviseur et qui était un téléviseur à tube. Tous les modèles tubes. Oui. Il y en a encore, et c'est pour ça qu'il y a encore des prises Péritel à l'arrière de la grosse majorité des tuners TNT. Alors celui qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'image HD en fait, elle est downscalée automatiquement, pas via l'électronique, et la prise Péritel, ça passe un signal PAL. Donc du oui, parce 700, que la Péritel, rappelons-le, ne diffuse pas la HD, les amis. Ça, c'est exactement. Zéro net. Voilà. Donc là, si la dame que David a rencontrée dans le magasin nous écoute. J'ai pu lui répondre tout de suite, mais effectivement, du coup, elle était un peu rassurée. Elle voulait absolument pas changer de télé. Elle a dit, moi, je veux pas. Non, ma télé l'ai acheté fonctionne en 1904 bien. Et franchement, elle marche très bien. Non, mais je crois que la télé avait quelque chose comme 25 ans. Voilà, c'était assez simple. Mais bon, voilà. Donc là, pour 25€. Jérôme, on y arrivera un jour. Oui, certainement. On ne veut pas changer d'écran plat alors qu'il y aura des hologrammes, des trucs comme ça. Non, on veut notre truc en couleur. Donc, ou alors que c'est pire, on continuera à changer tous les deux ans. Donc, Il y a cette offre donc à 25€, plutôt une bonne surprise. Effectivement, on peut se poser la question de la durée de vie des produits. J'ai croisé un autre client qui m'a dit, moi j'en suis un peu, même sur l'ancienne norme, à mon deuxième, troisième boîtier, parce qu'il achetait systématiquement des produits à pas cher. Et là, il m'a interpellé, il m'a dit... Et alors quoi, ça tombe en panne ? Et ça tombe en panne. Aïe. Il m'a dit systématiquement, fin de la durée de la garantie, j'ai 6 mois de rab. Et ça tombe en panne, donc cette fois-ci j'achète le modèle Philips qu'on voit justement. Alors là c'en est un autre. Il y avait un modèle Philips juste avant. Alors les références, je ne vais pas toutes vous les donner parce que vous savez, c'est des trucs très simples. Non, il faut aller lire l'article. BTR 1203 HD, machin. Donc c'est très avenant, on les retient facilement. Sympa. Donc finalement, il s'est dit, finalement, un modèle Philips à 50€, c'est peut-être mieux. Celui qu'on voit à l'image, que j'ai d'ailleurs avec moi, c'est un modèle en fait prévu pour le satellite Fransat, parce que j'étais assez surpris finalement de me rendre compte que le CSA a publié des chiffres qui indiquent quand même qu'aujourd'hui, il y a encore à peu près 25% des personnes qui utilisent une réception TNT via le satellite. Via le satellite. Donc l'offre continue à partir de 90€ et puis plus 130€ si jamais notamment on est français et qu'on veut avoir son bouquet TNT français à l'étranger. Typiquement, je pars en Espagne, Portugal, Italie et je veux avoir mon bouquet français. Pointage Astra, j'achète un boîtier compatible cette fois-ci TNT-SAT pour 100€. Et ça fonctionne donc normalement très bien. Ouais. Voilà.
Juste pour, petite parenthèse, pour les jeunes générations qui nous regardent, un téléviseur à tube, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ça ne veut pas dire qu'il y a YouTube à l'intérieur. Hein. Ouais. La JD. C'est pas un téléviseur à YouTube. Pas du tout. Oui. C'est pas le YouTube cathodique. Voilà, non. C'est un truc comme ça, c'est énorme, voilà. C'est comme un frigidaire, mais ça fait une image. Ça, descendez à la cave, peut-être que vous en trouverez une. Et ouais, ça, il y avait des images à l'intérieur. Et oui, bref, donc, David. Donc voilà, donc cette offre, moi j'ai quand même quelques petits regrets sur, sur l'accès qu'on donne à ces produits en magasin, parce que c'est vrai qu'ils sont disponibles, c'est un peu du produit qui est en tête de gondole, qu'on va prendre sans réfléchir pour certains. Or, il faut réfléchir. Exactement, parce que finalement, bah, là par exemple, j'ai le produit Philips que j'ai dans les mains, alors je ne sais pas si je peux montrer à quelle caméra, je peux montrer la télécommande, mais... on peut ouvrir aucune boîte, c'est-à-dire que toutes les boîtes sont, sont filmées, protégées, et finalement bah, la mauvaise surprise ça peut être d'avoir une télécommande à l'ergonomie complètement catastrophique, c'est-à-dire des écritures trop petites, des choses qui vont pas bien, notamment pour les seniors, où finalement bah, ça leur fait une télécommande en plus de celle de la télé, voilà, donc ça, ça serait dommage, ce serait bien que, qu'on puisse y accéder, et un autre point, cette fois-ci, qui peut-être intéresse plus, la globalité des utilisateurs, c'est le guide des programmes électroniques. Aujourd'hui, quand on est un peu technophile, on utilise son smartphone, on regarde ce qu'il y a à la télé, ou alors sa box ADSL, mais on n'est plus concerné par le problème des tuneurs TNT, mais le guide des programmes électroniques, je trouve qu'il prend une autre dimension, plus importante, avec ces boîtiers, parce qu'ils ont tous une prise USB, et avec la totalité des produits, finalement, on peut enregistrer ces programmes. Donc, il serait pas mal d'avoir une visibilité sur ce programme des, sur ce guide des programmes, qui permettrait finalement de lancer un enregistrement, comme on le faisait avec son code ShowView et son magnétoscope. Là aussi, les jeunes allaient rechercher ça. Le ShowView du magnétoscope VHS. Alors là, mais je me suis pris ça comme une claque, le ShowView, là. Le ShowView David. Du VHS. Non, mais sérieux, ShowView... Ça t'a rappelé des souvenirs. ShowView, ça fait combien d'années qu'on n'a pas entendu ce mot-là ? Je sais pas, 15, 20 ans. Il nous l'a bien gardé. Né, hein. Raphaël était pas né. Non, mais Raphaël, il savait pas ce que c'est. Il croit que c'est une émission de télé, ShowView. Ah bah oui, regarde bien, ShowView, c'est sympa. Voilà. Non, ShowView, c'était un truc... Alors, mon petit Raphaël. Bah oui. Tu sais ce que c'était, mon Non, raconte-nous une histoire. Papy, raconte-lui. Alors, raconte-nous cette jolie histoire. C'était un truc, si mes souvenirs sont bons, qui était sur Télé 7 jours. À l'époque, sur moi, j'avais Télé 7 jours. Ouais, sur les guides programmes papier. Voilà. T'avais en dessous, par exemple, de, je sais pas moi, Champs-Élysées, l'émission de Michel Drucker que t'as jamais vu. T'avais dessous un code. Il fallait rentrer ce code dans la boîte qui envoyait en fait la programmation automatiquement. Mais c'était très malin. Au magnétoscope VHS. T'étais pas obligé de rentrer dans les menus. C'était déjà une avancée technologique. C'était pas mal. Oui. Voilà, ShowView. Les magnétoscopes à quatre têtes, double vitesse d'enregistrement. Non, mais il y a eu des avancées technologiques. C'était du Je pense que Raphaël n'a jamais connu ça. Sortez-le moi. Non, je ne veux pas qu'il soit là. Il faut qu'on se fasse. C'est le genre de personne à qui on présente une cassette et un crayon. Et... Il ne sait pas ce que c'est. Pourquoi ce que c'est. Les deux, ça sert à quoi? Merci David. Mais de rien. Pour en savoir plus, zeronet.com avec donc un comparatif. Exactement. Il y a une sélection de boîtiers parce que c'est vrai que, voilà, c'est a priori, il y a peu de chances de tomber sur un mauvais produit. Voilà, et puis c'est peut-être aussi le moment pour vous, avec l'Euro 2016 qui arrive, de changer carrément changer de télé. Bien sûr, on peut pas mal. Hein. 40 pouces, 40... En moyenne, j'ai un télé 40 pouces, 400 euros. Il y a des offres au-delà des périodes de sol. Même il y a souvent des offres HD de très, très agressif. Donc c'est le moment où jamais de regarder. Merci beaucoup, David. Alors justement, êtes-vous prêt pour la TNT HD? C'est notre question 01 Live Orange du jour. Et voici la tendance. Mais oui, vous êtes prêts. 90%, c'est bien. Non, 7%, je ne sais pas. 3%. Voilà, continuez à nous donner votre avis. Vous allez sur www.01nettv.com. Allez, on accueille maintenant Raphaël Grably. Vous savez, le petit jeune qui n'a pas connu le ShowView. Mais j'ai connu le Huawei. Ah bah oui, ça vient de sortir. Bah oui, c'est nouveau. C'est logique. Alors, un nouveau Huawei. Oui, c'est en un petit... En attendant le P9, le vrai P9, haut de gamme. Le flagship. Voilà, exactement. Ça, c'est un petit milieu de gamme. Ça s'appelle le GX8. Il coûte 400 euros. Grosso modo, il vient concurrencer le Samsung Galaxy A5, qui était très réussi lui-même. Il est un peu plus grand. Il a un écran Full HD de 5,5 pouces. Le A5 en fait que 5,2. L'écran est plutôt bon. A priori, c'est vraiment le moyen de gamme classique. C'est-à-dire que vous avez un Snapdragon 615, il est assez puissant. Les jeux, on va peut-être pas taper dans les jeux les plus puissants, mais il tient très bien la route, l'écran est bon, etc. Après, moi, ce que j'ai bien aimé surtout, c'est le capteur d'empreinte digitale. Déjà, il ressemble un peu, il est joli. Il est très joli. En aluminium brossé, ça l'est... Huawei, c'est très bien faire, si on peut voir à l'écran. Voilà, si tu veux montrer à la caméra qui est derrière. Il ressemble, alors ça rappellera à certains le Honor 5X qui est sorti alors sous la marque Honor, qui est la marque de Huawei. Cette main-là, il faut la couper. Coupe-lui ma droite, là. Ça soit grave. C'est bon comme ça. Donc voilà, il ressemble énormément au 5X à l'arrière, le capteur d'empreinte digitale, et il y a un truc qui est super bien et que les autres ne font pas, enfin pas assez souvent à mon goût. C'est le café. C'est le café, etc. Déjà. Et le ShowView. Et le ShowView. Il a les codes ShowView. Non, c'est le fait de pouvoir le déloquer
en posant le doigt, mais sans avoir d'abord appuyé sur le bouton Home. En fait, c'est un petit détail. Ah, sur le Samsung, etc. On appuie et ensuite on pose son doigt. D'accord. Là, même si l'écran est verrouillé éteint, il se déverrouille directement. Après, il y a des petites options. On peut aller directement, on peut ouvrir l'appareil photo grâce à l'empreinte digitale. Donc, c'est assez bien aussi. Mm-hmm. Les petites déceptions, c'est au niveau de la photo. Il n'est pas exceptionnel. Bon, c'est du moyen de gamme. Il n'a rien de bien spécial en photo. L'autonomie, surtout, c'est la grosse déception. Aïe. Alors, il fait que 6h40 en autonomie polyvalente. Pourtant, il est assez mouse. Bah, il est assez grand. Ouais. Il est assez grand, alors que le A5 fait le double. C'est-à-dire qu'en autonomie, on est du simple au double. C'est un peu dommage. Ouais. Donc, on va dire que c'est un peu son point faible. Pour un smartphone qui est à peu près au même tarif. Quel prix ? Il est à 400€, 399. Donc, voilà, c'est à peu près le même tarif. En fait, sa fiche technique, moi, j'ai retrouvé. Donc, il ressemble beaucoup au Honor 5X. Sauf que le 5X, il est à 199. Mmh. Donc c'est vrai qu'on voit le positionnement de la marque avec Honor vraiment en rapport qualité-prix poussé au maximum pour les jeunes, entre guillemets. Mmh. Mais bon, enfin bon, qui peut profiter à tout le monde. Honor qui appartient à Huawei. Qui appartient à Huawei, donc à mon avis, il doit sortir des mêmes lignes d'usine. Oui. Et donc ce GX8, qui est un moyen de gamme un peu plus onéreux, mais qui est pas mal, hein, mais c'est vrai que face à du 5X... On aurait tendance à pencher pour le 5X. C'est bizarre parce qu'avec Honor, c'est vrai qu'il y a quand même. Bah, on comprend pas trop. Il rentre en frontal. Hein, il rentre en frontal avec sa propre marque. D'accord. Et il n'y a pas de différence notable entre les deux. Très bien. Test à retrouver sur zeronet.com. Exactement. Super. Merci beaucoup, Raphaël Grably, donc de la rédaction de zeronet.com. Bon, Géraud. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a essayé d'être le plus complet possible. On a fait cathodique. Voilà, on a fait le tour, toute la saga de la télé depuis les origines. C'est bien. Évidemment, la semaine prochaine, un spécial Minitel sur 01 Live Hebdo, car absolument. C'est une innovation qui, semble-t-il, va peut-être décoller, Jérôme. Hein. Oui. On en parle de plus en plus chez France Télécom. Oui, tout à fait. Nous parlerons également du réseau Transpac, Transpac, qui est une innovation assez intéressante pour les entreprises. Tout à fait. Et peut-être la musique demain en digital avec le laser. Mais bon, ça. Là, François, Raphaël, c'est plus quoi. Tu vas très loin. Alors je vous signale juste un truc, j'avais un tam-tam, j'ai eu un tam-tam. Ah, non. Si j'ai eu un tam-tam, c'est le... C'est pas vrai. Voilà. Donc, j'ai appelé l'hôtesse en disant dites à mes parents que je rentre à 16h ce soir. J'ai eu ce... Voilà. Ah, quand même. Non, je suis pas si... Ah, mais t'as vu, il rajoute quand même dites à mes parents, donc il était J'étais petit. Voilà, j'étais très petit, mais j'en ai eu un. Oh là là. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Merci beaucoup Raphaël. Ce 01 Live Hebdo est terminé. Très les émouvant, amis. Ce 01 Live. Très oui, émouvant. Complètement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, JD? La question. Oui, on peut refaire la question. On l'a faite tout à l'heure. JD, notre réalisateur, il nous serre la vis ce soir. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on voit qu'il tient la culotte à la maison, visiblement. Là, voilà. Ah oui, mais tu as raison parce que... Il faut vraiment la question 01 Net Orange. Ouais, il a raison. Êtes-vous prêt pour la TNT HD? Vous votez et vous êtes prêt à 90%. Non à 7%, 3%, je ne sais pas. Voilà. Bon. Vous pouvez continuer à voter. Parfait. Ça te va, JD? Oui, okay. Là, il est content. Il est content, il c'est bien. Maintenant. C'est bon. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, comme chaque jeudi soir. On se retrouve, bien sûr, vous savez, chaque jour, sur Zeronet TV pour toute l'actualité high-tech. Et merci à Jean-David Duarte qui réalisait donc ce live, vous l'avez compris. Qui, quand même, il nous sert. Hein. Mais bon, c'est normal. Il fait Pierre Thiolin aux caméras et Jérôme Giliberto au son. Super, merci à vous de nous avoir suivis. Alors attendez, Jérôme qui nous dit « Allez l'OM ». Non, ça je peux pas dire, Jérôme, c'est pas possible en ce moment. C'est pas possible, ça va pas assez bien pour l'OM. Il dit qu'il sait dire que ça d'ailleurs. Hein. Non, mais c'est pas ça. Il dit bonjour, il répond « Allez l'OM ». Ça va Jérôme, il répond « Allez l'OM ». Alors ça c'est réducteur, Jérôme, c'est pas gentil. Mais en ce moment, dire « Allez l'OM », c'est un peu compliqué en fait, quand on est fan de foot. Je sais pas de quoi vous parlez. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Allez. Et à très vite. Salut à tous.